وكان في استقباله رئيس الحكومة الأخ أحمد بن بلة وأعضاء الحكومة ونواب تأسيسه. وكانت فرقة من الجيش الوطني الشعبي تردد التحيات العسكرية. تحية العلم الجزائري والكوبي، تقديم أعضاء الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي. Chers frères de la République algérienne démocratique et populaire, je dois vous confesser que j'ai beaucoup hésité avant d'accepter de paraître devant vous à l'occasion d'un événement comme celui-ci. J'ai hésité parce qu'étant donné la qualité des techniciens du monde socialiste ici présent et aussi d'autres pays du monde, ma contribution ne peut rien apporter sur le terrain théorique aux expériences qu'ils ont déjà exposées. Et sur le terrain pratique, notre jeune planification n'a pas grand-chose à dire. J'ai accepté l'invitation pour vous faire seulement une petite histoire de notre développement économique, de nos erreurs et de nos succès qui pourront peut-être vous servir dans un futur plus ou moins immédiat. Nous disions, par exemple, nous avons besoin de 22 millions de paires de souliers. Qu'y faut-il pour cela? 1 million de pots, tant d'ouvriers, tel rythme de production dans nos tanneries, tant de matières premières importées et tout ce qui s'ensuit. Nous avions un plan, 22 millions de paires de souliers. Nous ne pouvions pas arriver à réaliser cela. Jamais l'industrie cubaine n'avait produit plus de 10 millions de paires de chaussures. Il est vrai que la capacité de production existait. Peut-être aurions-nous trouvé les pots nécessaires. Mais cette réalisation impliquait l'existence de toute une organisation que nous n'avions pas encore. Seulement, nous avions établi l'objectif final et les tâches principales de manière superficielle. Nous n'avons pas eu de pot. Il n'y avait pas de possibilité de se ravitailler en cuir. Nous n'avons pas pu approvisionner nos tanneries de manière adéquate. En définitive, le premier plan fut une manifestation de subjectivisme absolu. Il était essentiellement basé sur l'arithmétique des possibilités réelles lorsqu'elles sont considérées une à une, mais impossible à réaliser tout ensemble. Voilà ce qu'il en était pour les décisions prises au sommet. Qu'en était-il pour celles prises à la base? Par exemple, l'évaluation des stocks de bois. De combien de bois disposons-nous? Les chefs des eaux et forêts du département disaient qu'il y en a tant, un chiffre X dont je ne me souviens pas en ce moment. Nous savions que ceci était presque impossible, mais il le disait, il l'affirmait catégoriquement. Et c'est ainsi que Cuba, traditionnellement importatrice de bois, figura au premier plan comme exportateur de ce produit, parce qu'on avait tenu compte des opinions des techniciens de la base mécaniquement. Nous continuons à importer du bois, mais nous avons dû l'importer avec du retard, dans de mauvaises conditions commerciales et en cherchant désespérément où le trouver. Notre commerce extérieur avait complètement changé d'orientation géographique. De 75% avec les États-Unis, il était passé à 75 et 80% avec le pays socialiste. Ce changement nous était bénéfique au point de vue politique et social. Mais sur le plan économique, il nécessitait une organisation bien plus poussée. Antérieurement, des centaines d'importateurs spécialisés commandaient leurs produits aux États-Unis par téléphone.
Et le jour suivant, les bateaux qui reliaient directement Miami à La Havane amenaient le produit. Il n'y avait ni entrepôt de stockage, ni prévision d'aucune sorte. Tout cet appareil, sauf le technicien ennemi du gouvernement, dut donc être absorbé par ce qui fut d'abord la Banque du commerce extérieur de Cuba avant de devenir le ministère du commerce extérieur. Vive la République argélienne démocratique et populaire et son gouvernement révolutionnaire. L'armée nationale populaire. Ben serem. La révolution serait trop long d'expliquer tout. Et même d'expliquer tous les points de contact avec la révolution algérienne, je pense qu'il serait un peu long, un peu difficile, un peu lourd. Je pense que la principale, la chose où nous devions mettre l'accent, c'est que la base, le fond social sont les mêmes. Le problème du colonialisme, de l'impérialisme, qui pèse sur un pays, oblige à ce pays à prendre des mesures pour lutter pour sa liberté. Et l'impérialisme, plus ou moins, prend les mêmes contre-mesures. C'est pour ça que, malgré toutes les différences qu'il y a entre les deux peuples, les régions géographiques où ils sont placés, il y a une ressemblance plus ou moins grand, au fond. Et c'est pour ça, je pense, que nous pouvons nous entendre si bien. Et je pense que l'amitié, si grande et chaque fois si profonde, qu'il y a entre notre deux peuples, il se doit précisément à que nous pouvons nous connaître très bien, connaître notre propre pensée, notre idéal, notre besoin et connaître aussi notre ennemi qui, au fond, sont communs. Et je pense que c'est là la chose importante. De ces connaissances, notre deux peuples ont extrait et les conditions pour approfondir l'amitié. Et chaque fois qu'une mesure se prend à un pays ou à un autre pays, l'autre le comprend bien et est immédiatement disposé à l'appuyer parce qu'il comprend qu'il répond à des besoins profonds. Je pense que ce sont des choses qui, non seulement le peuple cubain, mais tous les peuples du monde doivent étudier et dans quelques cas doit appliquer pour son guerre révolutionnaire et pour son développement après de la liberté. Bien, je vous remercie.